C'est pas vrai. Justement aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Un autre jour, ça n'aurait pas été grave. Voyons. Le bus de la gare devrait arriver juste à temps par le train. Mais demain, je dois être à Birmingham au plus tard à 9h. Et pour ça, il me faut la voiture. Je dois d'abord la mettre au garage. Et comment je vais démarrer maintenant? Excusez-moi, vous pourriez me donner un coup de main à pousser? Monsieur? Oui, voilà. J'ai un problème de voiture. Impossible de démarrer, je suis pressé. Vous pouvez la réparer pour ce soir? J'ai une réunion très importante demain. Voici les clés. Elle est garée dehors, près de la porte. Je vous téléphonerai plus tard. Il faut que je me dépêche, sinon je vais rater mon train. Votre nom? Il me faut votre nom. Ah, pardon, Johnson. Monsieur Johnson. Ben voyons. C'est une Rover 800 et elle ne veut pas démarrer. Ça, c'est la batterie à coup sûr. Ça ne devrait pas prendre trop de temps pour la remplacer. Il n'y a qu'à démancher les bornes et la mettre à la casse. Voilà. Vite fait, bien fait. J'irai en chercher une neuve au magasin quand j'aurai pu me caper. Allô, oui, il semblerait que je sois obligé d'aller à Birmingham cet après-midi. Pensez-vous que la voiture sera prête pour 2 heures? Vous ne pensez pas qu'il y ait de problème? Bon. Où en est votre mécano? Il change la batterie. Vous êtes sûr que c'est la batterie? Elle arrive à peine en fin de garantie et tout le reste marchait. Bon, bon, si vous le dites. Combien de temps alors? Dans une demi-heure. D'accord. Allez, on essaie. Bizarre. J'aurais pourtant juré que c'était la batterie. Qu'est-ce que ça peut bien être alors, si c'est pas la batterie? Ah, je vois. Le solénoïde de démarreur. Ouais, ça m'a fait le même coup avec ma voiture il n'y a pas si longtemps. Ça doit être ça. Je ferais mieux d'aller récupérer sa batterie à la casse. Le quoi de démarreur? Solénoïde de démarreur? Mais vous m'aviez dit que c'était la batterie. Ok. Mais souvenez-vous que je dois être à Birmingham cet après-midi. Rappelez quand? Dans 1 heure. Très bien. Ben zut alors, c'est pas la batterie, c'est pas le solénoïde. Qu'est-ce que ça peut bien être? Non, monsieur Johnson. Ce n'était pas en fait le relais de démarreur. Mais je pense que nous avons localisé un mauvais contact d'allumage. Oui, je comprends bien votre problème, monsieur Johnson. Oui, oui, je suis sûr qu'elle sera bientôt prête. Pouvez-vous me rappeler un peu plus tard? Non, je ne peux pas. Ma réunion est presque terminée. Je viens en personne et on verra ce qu'on verra. Écoute, tu ne pourrais pas lui donner un coup de main? D'après son dernier coup de téléphone, M. Johnson n'est vraiment pas content. Il m'en fout. Alors, où en es-tu, Ken? Ok, essayons de faire le point de la situation avant de perdre complètement ce client. Où est ton manuel de dépistage de panne? Non, pas ça. Il y a un manuel d'électricité spécial pour ce genre de panne avec un schéma de câblage de tous les circuits de la voiture. Quoi? Tu veux dire que tu as changé toutes les pièces,
perdu une matinée entière et que tout le temps tu travaillais au hasard. Ouais, je pensais que c'était la batterie, c'est souvent ça. Ouais, puis t'as pensé que c'était le solénoïde, après tu as pensé que c'était le relais. Écoute, je ne veux pas me disputer, Ken. Laisse tomber tout ce que tu as fait jusque-là et reprends du début. Mais cette fois, par pitié, sers-toi de ça. Eh, pas mal. Fonction des fusibles, disposition des faisceaux, qui est. Alors, le relais de démarreur, où il est? Bien. Je sais que la batterie est bonne, je l'ai changée. Raccord de mise à la masse du moteur. Ah, j'avais pas pensé à ça. J'espère que ce n'est rien d'aussi simple. Dieu merci, ça a l'air d'aller. Bon. Quoi d'autre? Un raccord à fusible dans la boîte à fusible du compartiment moteur. Retirons le couvercle. Le démarreur est alimenté via un fusible situé dans la boîte à fusibles sous le tableau de bord. Numéro 12. Et il est... bon. Attends un peu, ça c'est pas normal. Un fil déconnecté, blanc avec une bande rouge. Ça a certainement quelque chose à voir avec la panne. Oui. Il faut un relais de démarreur, c'est ça. Ah, je vois ce qui s'est passé. Il s'est décroché par l'arrière. Ça ne devrait pas être trop difficile à réparer. Je rabats l'ergo, et voilà. Pourvu que ça marche, sinon ça va barder. Ouf, Dieu merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le problème? Quelques petites difficultés. Petites difficultés? Vous me l'aviez promise pour 2 heures. Oui, mais je... Il n'a pas l'air content, hein? Et peut-on lui en vouloir? Mais à propos du mécanicien, Ken, faut-il le plaindre lui aussi? Peut-être pas. Mais nous avons tous, à un moment ou à un autre, succombé à ce genre d'approche. Qui n'est pas, par exemple, parti en voyage sans avoir prévu l'itinéraire? Ou n'a pas monté un jour un élément de cuisine sans lire la notice. La nature humaine peut parfois nous pousser à nous jeter à l'eau, sans vraiment penser aux conséquences. Cela entraîne souvent confusion et angoisse. Cette envie de se jeter à l'eau s'accompagne souvent de la peur de l'inconnu. Pour la plupart d'entre nous, l'électricité tient de la magie noire. Nous pensons ne pas avoir d'autre choix que d'y aller purement au hasard, de changer les composants et de tirer sur les fils, dans le vain espoir que la panne nous sautera aux yeux toute seule, comme par enchantement. Alors que faire si, comme moi, vous êtes novice en électricité, et que vous êtes confronté à un problème comme celui de Ken avec son démarreur qui ne démarre pas? La clé du mystère est sous nos yeux. Nous avons vu Ken en utiliser un brièvement dans sa comédie des erreurs. Le manuel de dépistage de panne a été conçu spécialement pour réduire le risque de travail à l'aveuglette lorsqu'on recherche les pannes dans les circuits, même les plus complexes. Ces manuels ont été publiés pour les nouvelles gammes de métro, les Rover série 200, 400 et pour la Rover 800 modèle 91. Bien, à cette théorie. Voyons maintenant comment les informations contenues dans ces manuels peuvent être utilisées pour identifier une vraie panne. Nous allons encore utiliser le circuit de démarreur de la Rover 800, mais cette fois-ci, il s'agit d'une panne totalement différente. Et pour plus de réalisme, nous n'avons pas dit à Peter que voilà où se trouve la panne.
Cette fois-ci, le réceptionniste a réussi à retenir le client plus de quelques secondes et a pu obtenir une description assez précise de la panne. Il a expliqué que le problème est apparu il y a quelques semaines, mais que le moteur finissait toujours par démarrer. Mais les choses ont progressivement empiré, jusqu'à ce que le marin refuse complètement de marcher. Les symptômes ? Il a expliqué qu'il entendait un genre de déclic sous le capot quand il tournait la clé. Ok, Peter. Par où commençons-nous ? Bien, comme nous l'avez dit, nous avons une bonne description de la panne par le client. Mais ce n'est pas une raison pour se précipiter. En effet, la façon dont un client décrit la panne n'est pas forcément la façon dont vous la décririez. Alors il faut vérifier. Vous pourrez tourner la clé, s'il vous plaît ? Voilà, le client a raison, rien ne se passe. Vous pouvez mettre les phares, s'il vous plaît ? Ouais. Ils éclairent correctement. Ça n'a donc pas l'air d'être la batterie, mais on est sûr de rien pour l'instant. Vous voyez ce que je fais ? Je recueille toutes les informations sur la panne en observant les symptômes. Je ne fais pas de suppositions et je ne démonte rien à ce stade. Je garde un esprit ouvert. Et c'est la première des trois étapes du guide de diagnostic. Donc, première étape, recueillir toutes les informations. Exact. Maintenant, avant de passer à l'étape suivante, il faut effectuer un ou deux contrôles élémentaires. Quels sont exactement ces contrôles ? Sont-ils les mêmes pour le diagnostic de n'importe quelle panne ? À la base, oui. L'une des premières choses que l'on apprend en automobile, c'est de faire les contrôles élémentaires. Vous avez certainement déjà entendu contrôler le carburant et l'allumage. Pour un bon diagnostic en électricité, on commence toujours par les contrôles essentiels. C'est simple. Ce dont il faut se rappeler dans ce cas, c'est de contrôler la batterie et la masse. Cette fois-ci, ça ne devrait pas être difficile de vérifier la batterie, puisque nous sommes à peu près sûrs que le niveau de charge n'est pas la cause de notre problème. Le test des phares nous l'a montré. Grâce à ce multimètre numérique, réglé sur la plage de courant continu, je peux contrôler grosso modo le niveau de charge de la batterie en mesurant la tension qu'elle donne. Normalement, il faudrait d'abord allumer les phares pendant 30 secondes pour éliminer toute charge superficielle. Mais puisque nous l'avons fait plus tôt, c'est inutile. Bien. Maintenant, on applique les sondes sur les bornes, rouge sur rouge. Ensuite, on note le relevé qui nous donne 12,4. C'est bon. Si on avait eu moins de 12,3, on aurait pu soupçonner la batterie. Bien, l'étape suivante, les principales connexions de mise à la masse. Rappelez-vous notre règle d'or, contrôler la batterie et la masse. Bien, par principal, j'entends les connexions entre batterie, la carrosserie et le moteur. Alors, il ne s'agit pas de prendre des fils et de tirer dessus pour voir s'ils sont bien branchés. Il faut démonter et s'assurer aussi qu'il n'y a pas de corrosion ou de peinture sous la connexion. Ok, et le cas échéant, l'éliminer. Bon, ici les connexions sont propres, bonnes, pas de corrosion. Bien, un tuyau avant de remonter quoi que ce soit sur tous les boulons, c'est de tout enduire de vaseline. Ça empêchera toute corrosion par la suite. On remet la batterie en place. Et nous en avons terminé avec la première des trois étapes de notre guide de diagnostic. Passons maintenant à la deuxième étape. Ok, revenons au guide. Bon. Maintenant, à l'aide des informations que nous avons recueillies sur les symptômes, nous allons utiliser le guide de dépistage des pannes et les schémas pour localiser en gros où se situe la panne. Donc, étape 2, analyser les infos pour localiser en gros où se situe la panne. C'est ça.
Nous ouvrons notre Bible, le manuel de dépistage des pannes électriques, et nous nous reportons à la rubrique démarrage. Démarrage. Voilà, le schéma général du circuit de démarreur. Mais ce qui nous intéresse, c'est le guide de dépistage des pannes. On le trouve sous deux rubriques. Déclic du solénoïde de démarreur, mais le démarreur ne tourne pas, et non-fonctionnement du démarreur et du solénoïde. Comme je l'ai déjà mentionné, sur cette voiture, le déclic que nous avons entendu nous indiquait qu'il s'agirait plutôt du relais de démarreur, car le bruit était différent du déclic plus fort que produit le solénoïde. Mais il faut s'en assurer. Alors si vous voulez bien m'aider, tournez la clé s'il vous plaît. Ok, allez-y. C'est bien ce que je pensais. Il y a bien le déclic du relais, mais rien au niveau des solénoïdes. Le déclic de ce relais nous indique que le circuit de commutation fonctionne. Avec ça, on est arrivé au bout de la deuxième étape. Alors souvenez-vous, l'étape 2 consiste à analyser les informations que nous avons recueillies afin de localiser en gros où se situe la panne. Oui, analyser les infos pour localiser en gros où se situe la panne. Bien, les informations nous indiquent donc que la panne ne se situe pas dans le circuit de commutation du relais. À première vue, on pourrait penser que nous ne sommes pas très avancés. Mais en réalité, nous avons éliminé plus de la moitié du circuit en faisant simplement preuve de logique. Les raccords à fusibles, tous les fusibles, le contact d'allumage et tout le câblage le long de cette ligne. Ok, on passe à l'étape 3 ? Bon, l'étape 3 est une série pratique de tests qu'il convient d'effectuer dans un ordre logique pour repérer la panne. Ok. Alors, étape 3, test pour repérer précisément la panne. Exact. Jusque-là, mis à part les contrôles élémentaires de la batterie et de la masse, il ne s'agissait que de théorie. Maintenant, je vais devoir me salir les mains. Alors, où situe logiquement le premier test ? Bon, il faut d'abord avoir une bonne idée de ce qu'on veut. Nous avons éliminé toute cette partie du circuit, le circuit de commutation de relais. Il nous faut maintenant vérifier par ici l'alimentation du solénoïde. Bon, là on a un raccord à fusible. Et lorsqu'on se rapporte à la section distribution électrique, ah, en fait il y a deux raccords à fusible. Ils sont faciles à trouver, ils sont là tous les deux. Ils ont l'air en bon état. Maintenant, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'un fusible grillé est habituellement le symptôme d'une panne, et rarement une panne en soi. 9 fois sur 10, le fusible a sauté à cause d'une panne ailleurs dans le circuit. Tout a l'air correct à ce niveau, alors à votre avis, que doit-on faire maintenant ? Me voilà bien embarrassé. Nous savons que les fusibles sont OK. L'élément suivant du circuit, c'est le relais. Mais nous l'avons déjà testé, non ? Pas réellement, non. Le déclic nous indique qu'il reçoit le bon signal du contact d'allumage, mais nous ne savons pas s'il transmet vraiment l'alimentation solénoïde. Ah, d'accord. Alors quel moyen le plus rapide de tester le relais ? Bien. Ce boîtier fast-check permet de tester à peu près tous les genres de relais ou de minuterie montés sur les voitures Rover. Avant tout, il faut vérifier le faisceau, mais nous l'avons déjà fait, donc pas de problème. On branche ça, là. On cherche le type du relais et le code de test dans ce manuel. Nous y voilà. Voici le relais. Et c'est le numéro 2. On met donc le contact. On entre le code de test. C'est le chiffre 2. On règle et on teste. Là, on entend clairement le déclic du relais. Ce relais a donc satisfait le test. Nous allons donc devoir chercher un peu plus loin pour trouver la cause de la panne. Bon, que pensez-vous que nous devrions tester maintenant ? Soyez logique. Ok, voyons. Nous avons testé le relais et nous savons que le circuit de commutation fonctionne. Alors, est-ce qu'on devrait contrôler les pièces commandées par le relais ? Le solénoïde de démarreur ? Très bien, félicitations. Allez, revenons au démarreur. Du relais, l'alimentation passe par ce fil marron-rouge et va au solénoïde. Alors, avant de m'attaquer au solénoïde, je veux contrôler ce bloc de relais juste pour m'assurer qu'il reçoit la pleine tension de la batterie.
Alors, surtout, ne pas oublier qu'il ne faut pas sonder directement sur la partie avant de ces connecteurs. Pourquoi pas ? Eh bien, si on enfonce la sonde dans le raccord femelle, on risque d'agrandir l'ouverture. Et la dernière chose qu'on veut dans un circuit, c'est un mauvais contact. Cependant, on peut toujours introduire la sonde par l'arrière des connecteurs et l'appliquer sur le sertissage du fil. Ici, comme vous voyez, ce relais va poser un problème. On ne peut pas accéder à l'arrière des connecteurs sans démonter la boîte à fusibles. Encore une fois, on peut se débrouiller en utilisant un connecteur Lucas de rechange comme celui-ci, dans lequel vous introduisez votre sonde. Cette borne ici devrait être parcourue par la tension de la batterie. Voilà, tension de batterie. Bon, on remet le relais en place et je vous demanderai encore une fois de tourner la clé de contact. Oui, mais un instant, qu'allez-vous faire maintenant ? Bien, maintenant nous savons que l'alimentation parvient au relais et que le relais fonctionne. Il nous faut donc vérifier si l'alimentation arrive bien au solénoïde. Si tel est le cas, c'est le solénoïde qui est fichu. Sinon, nous saurons que la panne se situe précisément entre le relais et le solénoïde. Ah, d'accord. Ok, vous êtes prêts ? Bon. Il n'y a rien. Donc, nous savons que la panne se situe précisément au niveau du câblage, entre le relais et le solénoïde. Ah, je crois que j'ai compris. Il nous suffit maintenant de monter un nouveau fil entre le solénoïde et le relais, n'est-ce pas ? Non, c'est exactement la chose à ne pas faire. D'abord, modifier le câblage d'un véhicule nous compliquera les choses par la suite. Mais plus important, vous pourriez être tenu personnellement responsable de tout problème qui pourrait apparaître à cause de votre bricolage. Dois-je en dire plus ? Non merci, j'ai compris. Alors, comment trouver la panne ? Je veux dire, c'est facile de dire que la panne se situe entre ici et là, mais le câblage se mêle ensuite au faisceau du moteur. Oui, c'est exact. Mais nous avons un atout important. Statistiquement, la panne aura plus de chances de se situer dans la connexion plutôt que dans le fil même. En fait, près de 90% des pannes électriques sont dues à une connexion défectueuse quelque part. Si on ne peut pas suivre le fil sur toute sa longueur, on peut toujours contrôler toutes les connexions montées sur ce fil. Et pour ça, je reviens au manuel de dépistage des pannes. Très bien. Nous suivons un fil marron-rouge. Bon. Il y a une connexion à la hauteur du solénoïde, mais nous savons que le problème ne se situe pas à ce niveau. Il y en a deux autres, une au relais de démarreur qui va à la boîte à fusibles et une qui porte le code C255. Bon, je n'ai pas envie de démonter la boîte à fusibles à moins d'y être obligé. Alors je vais d'abord voir cette connexion C255. Ok. Nous y sommes. Deux broches, C255... Photo 15. Nous allons jeter un coup d'œil à la référence photo. 15, c'est là. C255. Bien, d'après la photo, elle est là derrière. Il va falloir sortir la batterie. J'espère que ce sera ça et qu'on n'aura pas à se démêler avec la boîte à fusibles. Qu'est-ce qu'on a là ? Un fil marron-rouge déconnecté. Il s'est sans doute accroché à la batterie à un moment ou à un autre. Ça ne devrait pas être difficile à réparer. Et voilà le résultat. Le diagnostic de panne tel qu'il devait être effectué. Ok, je ne pense pas encore avoir atteint le niveau d'expertise de Pete, mais je peux quand même voir à quel point il est plus facile d'identifier une panne lorsqu'on utilise une approche correcte. Bien, avant de conclure, voyons les points essentiels encore une fois. D'abord, l'approche correcte du diagnostic. Trois étapes simples à suivre quand on recherche une panne. Soyez certain d'avoir tous les renseignements voulus. Étudiez avec soin la plainte du client, mais ne la prenez pas pour parole d'évangile. Contrôlez-vous-même. Armé de ces informations, étudiez le schéma du câblage et le guide de dépistage de panne pour localiser le niveau où se situe la panne. Ensuite, et seulement ensuite, travaillez sur le circuit de façon logique pour repérer exactement la panne.
Ken nous a montré les dangers du diagnostic par substitution. Au mieux, c'est une chance sur deux c'est combien. Les substitutions nous obligent en outre à brancher et débrancher toutes sortes de connexions, et vous risquez de finir avec plus de pannes qu'il n'y en avait au départ. Pete nous a également indiqué les deux contrôles de base à effectuer. Comme vous apprenez à contrôler systématiquement le carburant et l'allumage pour un problème mécanique, vous devez apprendre à contrôler l'état de la batterie et des points de mise à la masse avant d'essayer de résoudre toute panne électrique. Enfin, ce livret a été conçu pour compléter ce programme. Il contient des informations complètes pour ceux d'entre vous qui débutent en diagnostic électrique, ainsi que des conseils et des suggestions pour les plus expérimentés. Ok, voyons en épite. Déjà fini ? Pas tout à fait. Je mets juste un peu de vaseline sur ces bandes de batterie et on devrait avoir fini. J'espère. Ok. À vous l'honneur. Un instant. Gagné. Un circuit de démarreur de Rover 800 réparé dans les règles de l'art.